Et bien bonjour. Alors. J'ai un super collègue qui m'a refilé sa crève. C'est génial. Allez là. Refresh la page. Et ouais Mikey, bien de bonjour. Ouais, la sainte crève. Du coup j'ai sonné au taf ce matin, ils m'ont dit de rester chez moi. Bon, ça m'emmerde un peu parce que j'aurais bien voulu l'étude, mais... Bon. C'est pas plus mal de pas être venu parce que... Je sais pas que t'es bien vers 15h. Ouais, c'est certainement pas le collègue qui était dans la même rangée de casier que moi, qui était à cracher ses poumons comme un gosse qui sait pas mettre sa main devant sa bouche. Ouais, c'est certainement pas ça, ça doit être la clope. Ouais, le grand mystère est résolu. Ah, c'est... Bah super, la caisse qui va se prendre deux murs et qui va se retourner et qui va prendre feu. Et en plus, il l'a mis en orange, c'est sympa, il a pensé à moi. Oh. Rencontre aléatoire. On va les rater. Et j'aime bien l'orange, moi, ok. Et puis c'est pas si dégueulasse sur la voiture quand même. Peut-être pas forcément cet orange-là, mais... Ah oui, il a drogué. Ah oui, oui, ça se voit. Ouais. Tu es addict? Arrête. Ça va les volumes jeux, musique. Allez viens, je t'emmène au-dessus des trucs, je connais pas. Je pense que je vais pas baisser le son du jeu. Ah bon. be here. I actually thought it was going to be different. I thought that Liberty City, everybody was a somebody. Maybe some big producer was going to discover me on the street. Didn't go like that, did it? Well, some producer discovered me, but I didn't exactly end up in a fine one movie. I ended up with a two-bag-a-day habit and videos of me doing shit I hadn't even heard of on the internet. Motherfucker. They pick us up when we get off the bus. Girls and guys. Wish I'd known that before I got here. I wish you had too. Here we are, Niko. Thanks a bunch. Have some cash, Marnie. Oh, lui donne pas ma thune non plus. Le mec qui va râler sur 500$ alors qu'il en a 500 000. Je sais pas si c'est une bonne idée de lancer en stream. Pendant le week-end, je voulais me faire donc premier Dead Space, histoire de d'avoir bien frais en mémoire avant d'entamer la remake. Ce cas. Feds, I think. They always drive past at this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses, all of them, all of you. Whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really... Mr. Pegorino around. Oh, sure, I'll get him. Boss! Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back. Il va bien pour quelqu'un qui s'est pris une balle dans le bide. I'm sorry. I'm nice to see you, Niko. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Come in here. So, listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that you're meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Je vends mes mouchoirs sur OnlyFans si jamais vous êtes intéressé. Il y aura un peu de cendre dessus. À quoi? Vivre avec son temps, hein. find them and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard! Gabish? Yeah, gabish. Thank you. Oh, Maggie. Ils ont tout tapé ma caisse là. Allez, on me donne une belle voiture et tout, et puis on me la reprend parce que la cinématique elle a décidé de la despawn quoi. Je suis outré. C'est dans le garage non? Ah bah non. Oh les enfoirés. Hey, j'ai conduit jusqu'ici, elle était encore en un seul morceau. Ouais. On peut habituer aux gens qui écrivent bizarrement. Ça casse. Oui, ça aide pas. Hein. Pour savoir ce que c'est, c'est la mémoire qui flanche. Dans l'impression d'être en zombie. Je retiens rien. Et tu comprends rien à ta vie. Ouais, je sais pas si on est d'accord. Il peut peut-être mourir. Putain. Voilà. Lui, il nous emmerde plus. Ouais, c'est MG5, je me rappelle, à chaque fois que je me faisais une belle basse, t'avais un fils de pute à 4 ou 3 heures du mat qui venait niquer tout. Ils veulent tous aller sur la putain de moto. Hop. Ok, sur mon rang, il m'a tiré une balle. Ouais. Oh putain, ça j'en ai eu un en plus, avec qui j'ai eu ce problème là. Je suis arrivé sur Saifo B. J'avais fusil à lunettes 50 et tout le bordel. Je commence à tout niquer, mais vraiment juste faire du dégât. Et ce qui m'a dégoûté, c'est que quand t'attaques une FOB et que le mec défend, il peut revenir à l'infini. Du coup, à un moment, franchement, je débutais bien 4-5 fois, et bah au bout d'un moment, t'as plus de balles. Et lui, à chaque fois, il respawn, il revient, il a full balle, tout ce qu'il veut, donc... Enfin, tu fais quoi? C'est... Enfin, qu'est-ce que t'es censé faire? Le mec il vient, tu ne peux pas le buter. Bah si, tu le butes 5-6 fois, mais non, lui il revient à chaque fois, il a je sais pas combien de secondes pour respawn, il revient à l'autre bout de sa base, c'est tranquille. Full mun, full équipement, mais toi t'as les balles que t'as pour le début de la mission et tu vas te faire enculer, hein. Tu peux pas en récupérer, tu peux pas ramasser d'armes, tu peux rien faire. Ok. Donc même si clairement t'as l'avantage... C'est lui qui gagne à la fin si tu te fais repérer une fois, c'est débile. Ah oui, le succès pour désamorcer une nuke. Je crois que je regarde pour le faire ça, un jour. Peut-être. J'ai pas envie de relancer le jeu. Ouais. Sinon, il y a apparemment moyen pour avoir ce succès de construire une bombe nucléaire soi-même et de la désamorcer soi-même. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring, which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back. Moi non plus, je crois qu'à cette époque-là, j'étais pas encore complètement à fond dans les succès. Ah. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly. And this guy is still threatening to kill me and my family. What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. En plus, il y avait la blinde de ressources, il me restait plus beaucoup de paliers d'armes à débloquer. Beaucoup de S++. Oui, ça c'est quand t'es à fond en karma négatif. Quoi. Une corde qui pousse. Flic. Oh tiens donc, une bagnole de flic. Ouais ça. Bucky. Je crois que j'avais quand même pas mal fait gaffe pendant tout un temps à tuer personne dans le jeu. C'est même... J'ai fini ma partie avec un seul Ray Kill. Et au moment j'en ai eu marre. Je crois que les soldats j'en ai tué aucun techniquement. Et j'y peux rien si t'es choqué quand tu tires 3 balles sur un cadavre dans un jeu vidéo. Run to your friends, Bucky. The cops are here. Je vais passer celle-là sans la casser. Bon, si je suis sélectif sur le recrutement, tu les endors, c'est tout. Après, c'est sûr que les armes non létales, ouais, elles sont un peu... bof. Mais ça passe. Bon, ça tirer sur les méchants, c'est pas bien, je tire que sur les méchants, littéralement. Et j'écrase les civils. C'est rigolo. C'est la Meth House dans Redire Note. Presque. Pas du tout. Voilà. Oh, j'ai bon. Qui voulait monter dans sa voiture. Non, pas. L'autre en prendre un taxi. Ok, allez. Niko, my boy. Oh boy. Speak to you, I need. Derek, you okay? Bucky and these boys are dead. What? Sorry, not off for a second. Bucky dead? Good. Yeah, fine. We're dead. It's all the same though, isn't it? Living, dead, good, bad, right, wrong, chalk, shit. I'll speak to you when you're back among the living. Steven Seagal, est-ce que c'est pas un gros con en plus? Un but de lui-même. Et quoi, ça va, il faisait pas trop le show en vrai? Encore bien le genre de mec à faire le gros malin, le gros dur. Après, ça reste une émission américaine. Hein. Est-ce que c'est le genre d'émission que tu regardes bourré avec des potes? Étonnant. Il va faire une prise de karaté sur un suspect. Oh non, justement, il voulait faire une mise en scène et Ah shit, it's 3 days early. Man on the meal. What am I gonna do? What's the problem? Niko, I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay? Come on, let's go. Ok. Eh bien, bon douchage. Bon lavement. Bon, ça se dit pas pour ça? Ça. Hop. Ouais. Don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. Vas-y, je veux me repaître du drama là. Derek a mis fin à l'émission après que des accusations de harcèlement sexuel et de possible trafic sexuel de la part de Steven Seagal. Ok. Oui, ok, je savais que c'était un gros con, mais pas à ce point-là non plus en fait. C'est sûr que tu confonds pas avec Andrew Tate. Si c'est un bon gros cassos de merde. Shit, you sound like you're saying all this just so it's clear on the wiretap. For the record, I don't know what this man is talking about. We're rehearsing a scene for an acting class. I work in waste management. Everything we're saying is fiction. It has no bearing in the real world. Watch it, Niko. All right, this is the truck. Moi d'ailleurs je voulais voir parce que j'ai commencé à poster les replays sur, sur YouTube et je vois que j'ai eu des... quand même des copyright strike. Partie 4, mais pas la... Ah non, si, j'en ai eu sur un 1, 2, 3 et 4. Ah non, pas la 1. 1 et 4 en fait. C'est de la merde. Bon, 2, 3 et 4. Là, il n'y en a qu'une. Là, il y en a 15 000. Plus que Fandom et CFP. C'est... enfin, bref. Je comprends pas qu'on donne de l'importance à un mec pareil. Ah merde, c'est pendant le billard, ok. Ah ouais, il y avait de la musique qui passait à la radio et c'est... ok, il y a des copyrights, super. Ouais, c'est ça, mais c'est... j'ai même pas les termes pour expliquer à quel point les gens qui suivent ce genre de personnes, ils sont... complètement à l'ouest. Bah, ben, enfin... il donne tellement l'impression d'un mec qui doit se rassurer lui-même d'être en gros dur, tu vois, alors que c'est une putain de connasse, quoi. C'est un cliché comme t'en verrais dans South Park, sauf que c'est un vrai mec, quoi, en fait. Enfin, bref. Oh, il exagérait sûrement un petit peu son rôle pour internet, mais quand même, bordel, quoi. Comment tu peux suivre un mec pareil et croire ce qu'il te raconte, quoi. Ouais, mais justement, South Park, ils exagèrent les trucs, sauf que là, c'est littéralement le personnage de South Park. On devrait... ça fait des années que j'ai pu regarder, donc je saurais pas vraiment dire. Parce que souvent quand je regarde une série, j'oublie presque après l'avoir fini. Tu me l'as vraiment bien plu. On va la jouer réglo, histoire qu'on nous casse pas les couilles. Il me semble qu'il y avait un... il y a moyen de prendre une des deux bornes ici sans payer, vraiment un endroit bien spécifique et les... c'est pas poursuivi par la police. Ouais, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec des flics qui me collent au cul alors que j'ai une vieille caisse qui avance pas. Ah. Oui, bah oui, vu comme ça. Il y a que celui-là d'ailleurs, je crois. Il y en a peut-être un deuxième, mais... il y a aussi d'autres endroits où tu peux venir dans des résidences privées ou ce genre de trucs, et je crois que t'as aussi un portier, enfin un portier, un gars qui lève une barrière. C'est automatisé, hein, mais bon. C'est vrai qu'il n'y avait pas ces petits détails dans le 6. Après, est-ce que c'était nécessaire qu'il y en ait? Enfin, on comprend. Mais j'ai vraiment l'impression que dans le 4 t'as un meilleur niveau de détail de petites conneries là, d'interaction. Niko, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these commies. Oh, il boum boum fort. Un baril rouge, comment ça il explose pas là? C'est un remboursement sur la marchandise. Caméra qui fout la merde. Ouais bah avance doucement hein, moi je suis pas invincible. Ouf. Ok ça va, il est vraiment bien invincible. Oula oula. Deuxième écran qui fait un trip à la Matrix, là j'ai des petits points verts qui apparaissent partout. Des points rassurants. Dès que j'aurai un peu des thunes aussi, il faudrait que je m'achète un nouvel écran. 144 Hz en 2K. Ah ben c'est parti tout seul, ok. Ah non. Écran, je l'ai acheté, enfin je l'ai utilisé tout en temps en display port, il n'y a jamais eu de problème. Ici que je l'utilise en HDMI, il est complètement pété quoi. Je vais contre les formes de retraite dans le 6, je jette direct. Non, c'était pas. Non, il n'était pas en display port. Si, non. Ouais. Avant il allait, maintenant il va plus. Le petit est plus précis. Voilà. Ouais, d'ailleurs ça donne quoi? J'ai vu des photos, il y a 1,2 million de personnes dehors. Et ils comptent faire ça combien de temps en vrai? Une journée, je crois que Macron il s'en bat les couilles. Peut-être pas, j'en sais rien. Nous on est déjà à 64, c'est cool. Mais attends, en fait, tu partiras pas en retraite. C'est direct. Au lieu d'avoir une retraite, on va juste te mettre dans un hospice jusqu'à ce que tu claques. Ouais, ben ouais, le faire plusieurs jours d'affilée, hein, bloquer. Enfin. Arrêter le pays, quoi. On se retrouvera, t'auras 70 ans, tu devras encore aller bosser à l'usine, quoi. Ouais bah, on verra. You hear handled yourself real good back there. Kept your head. That's a valuable trait. Thank you. See you later. Quelques impacts de balles, le monsieur. Il 5. On a vu pire, on a vu mieux. Alors, est-ce qu'on est par rapport... Ah ok, on en a 3 ici. On va voir Derek Chauvin. Ouais. I'm gonna save the kids. Monsieur la police, j'ai besoin de votre voiture. Bip, bip. Très bien. Parfait, une étoile. I am the police now. Le bon endroit. Jump. Jump. Fou. Oui, ok, s'il faut passer de l'autre côté, c'est mort. Hein. Parfait. Ah, voilà. Hey boss, me boy. Going out at sea. This is the place. C'est celui-là du coup, on a le. Non, c'est pas le bon jeu. As long as the ones he's paying us with are real, it doesn't matter. I owe you an apology, Niko. I was dosed when you told me you killed Bucky and his boys. Yeah, you were out of it. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside. Who's Aiden? Me, Bucky, and Aiden, we all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago then. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Ouais, non, ok, moi je voyais un gros bateau. You Parks boy? Yes, I'm Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Another immigrant, arriving in this city, trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Ah, il va vite avec son truc quand même. Nice one, my boy. Check right, Niko. On a Niko carrément. Je peux pas viser aussi haut. On va faire comme Jason Statham, on va prendre un jump et on va le faire exploser le bateau dans le truc. A rocket launcher. Ouais voilà, ne bouge surtout pas, reste bien en place. Nice. Ouf. Ouais, l'eau n'aime pas trop la FPS élevé. Le jeu a un peu du mal une fois qu'on dépasse les 60 FPS, donc je l'ai bloqué à 120. Il y a toujours des petits trucs un peu... dans l'eau. Tu vois les pilotes, les trucs qui flottent, le gros machin. Et la mer est calme. Et tu vois le bazar... alors qu'il n'y a pas un courant d'air. Pas une vague. On va faire des bébés bateaux. Comme ça qu'ils se reproduisent les bateaux. Hop. Voilà, c'est fini. On se retrouve dans 12 mois. Ouais, je pourrais avoir l'expérience console, mais je préfère l'expérience PC. Je débloque le feu peceux et... c'est fluide, c'est réactif. Il m'a dit que je cherchais du boulot. J'ai vu un rabla quand j'étais chez Fanny Scrubs, près de la gare centrale ici. Bon, s'il est toujours là. Bah les couilles. Restocker. En rabla. Monsieur le police. Voiture. Mais tombe aussi, bordel de merde. Et il voulait pas lâcher, hein. Bon, il bloque le chemin avec son corps, habile technique. Ouais. Le sacrifice de soi-même pour le bien et l'ordre. Il ne sera pas oublié, contrairement à moi que les policiers vont oublier dans 30 secondes. Voilà. Imagine la scène, le gars qui rentre dans un commissariat de police, il sort un flingue, il bute un flic. Oh non, il a tué Roger! Il y a tout le monde qui rebaisse, qui repart à faire ses trucs. Ouais. Stop it, made a fair. I'm the police, I don't give a fuck. Voilà, il voulait respecter son professionnalisme du travail. Du coup, ils sont pas venus à son enterrement pour ne pas rater une journée de travail. Ce qui, de toute façon, est normal aux États-Unis. Mais, dans ce cas-là, c'est l'intention qui compte. Voilà. Ah mais non, c'est lui le boss qu'on vient chercher, c'était pas l'autre qui s'était fait tirer dessus. Si, mais je suis un peu malade. J'ai sonné ce matin au travail et ils m'ont dit de rester chez moi. À la base, je voulais juste prendre lundi et venir aujourd'hui. Sauf qu'elle m'a dit, ouais non, viens pas aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc voilà, je suis pas venu, j'ai appelé assez tôt, bah ils pouvaient s'arranger pour trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Et bah quand je vois comme j'étais mal dans la journée, c'est pas plus mal. Je me verrais mal, je me serais mal vu bosser de 14 à 22 aujourd'hui. Ah non, c'est bien l'autre qui se fait tirer dessus, et lui, il n'a rien, bref. Donc voilà. Un collègue qui crachait ses poumons le mercredi dans les vestiaires. Et bon, bah il était juste à côté de moi, donc à mon avis, il m'a refilé sa merde. En plus, quand on voit le temps, j'ai été me chercher. Enfin, je suis allé dans un. Comment c'est en fait? C'est une station essence où ils vendent des bonbonnes de gaz et tout ça pour mon chauffage catalyse. Sauf qu'il n'en avait plus. Je suis parti qu'il y avait genre un demi-centimètre sur la route de neige. Ça a été. Hein, c'est un trajet de 20 minutes. Bon, bah, vous que je le fais en 30 minutes. Mais pour le retour, il m'a fallu 1h30. Et ça glissait bien. Après j'ai des pneus 4 saisons donc c'est peut-être pas non plus bien que des pneus neige mais putain on roulait au pas sur près de ouais ça doit faire 5 km du coup et du coup bah, toute la neige j'étais bien tassé et à chaque fois que je redémarrais même en première pour rouler au pas c'est c'était rigolo. Ah. Super, bah, merci Mikey. Il est dans un autre jeu ou un truc comme ça? Pour la finale de Coupe du Monde 98, je regardais Tintin. Bah, franchement oui, ça roulait bien. Quand je vois d'autres qui étaient bloqués dès que t'avais une montée plus grosse que ça, moi ça allait nickel. Mais bon, bah dans les ronds-points, si j'allais un peu vite, bah, ça partait un petit peu de l'arrière, c'était rigolo. Et vraiment, la neige là était tassée, c'était presque de la glace. Donc, ah, bah ouais. Souvent les mafieux, c'est rarement... Moi, je me rappelle ce jour-là, la garderie. La garderie. Salut Samy. Ah, bah, j'espère qu'il te plaira bien. Bone Lab, on avait fait Boneworks aussi une ou deux fois, je crois, en stream. C'est bien sympa. Et ouais, je me rappelle à la garderie, les gardiennes nous avaient dit ouais, si les Français gagnent, vous aurez tous une glace à l'eau. Mais on a tous une glace à l'eau et elle tirait un peu la gueule. Mais bon bref. C'est pas la garderie, c'était à l'école dans le temps de midi. Je sais plus quoi. Bon. Temps secondaire. Hein. Et de fait, merci pour ton follow. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le premier était bien sympa, même si les armes à feu sont pas ouf. J'ai bien hâte de voir la suite de Walking Dead Saints and Sinners. Et là également on m'a offert un autre jeu VR Wanderer, qui a l'air bien sympa. Voilà ça. Disons c'est un peu... en GD, t'as certains jeux qui fonctionnent très bien sur le Quest mais pas bien sur l'Index, et d'autres c'est l'inverse. Donc et si t'as acheté un jeu comme ça, bah t'as qu'à espérer qu'un jour les devs fassent un patch. Il y a un jeu d'ailleurs, je crois qu'il fonctionne mieux sur le Oculus ou je ne sais pas quoi. Mais du coup c'est Paradox of Hope, si t'aimes bien les jeux un peu style comme les métros et tout ça, mais en VR. Ah, ça je le connais pas vu que j'ai le Volvindex. Mais ouais, donc Paradox of Hope, qui est en early access sur Steam pour une petite vingtaine d'euros. Apparemment les retours sont très positifs. Mais c'est juste qu'il est pas bien supporté par le Valve Index. Enfin, le développeur qui travaille en solo en fait s'est rendu compte trop tard que pour implémenter le Valve Index il fallait qu'il change trop de trucs. Du coup il s'est dit bon bah désolé les gars mais soit je le ferai plus tard, soit je le fais pas. Ouais mais écoute pas les zoomers non plus. Ok. Niko Bellic, right? Yeah, that's me. Stay calm with us all the way to City Hall. All right? Sure. C'est sûr que Beat Saber, ça doit être plutôt un plus agréable avec un gros FPS. Après, c'est pas mon kiff de jeu, mais j'en ai aussi beaucoup entendu du bien. Non, c'est pas ça. Je me trompe de. Hop. La musique. Real no cap. John, how are you? Et t'as des sabres laser. Well, I'm coming to see you as soon as I've delivered the speech. Ah oui, le quest il est sans fil. Don't say that, John. You'll be feeling like a teenager again in no time. Et quoi, de temps en temps, ton collègue il te sort des for real no cap. C'est les zoomers américains, parlent un peu comme ça et c'est assez cancéreux. Regarde Tariq streamer 5 minutes, tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire. C'est le mec, c'est pas un zoomer, mais c'est un zoomer. Mon dieu, c'est horrible. Et quoi, il parle que en même en fait? Ouais, 1800 balles. C'est sûr que c'est pas donné ça. Ok, on a du soin. Alors, c'est un allié. Enfin, je sais pas, mais c'est mort. C'est un ennemi. Un allié. Salut Reaper. Ouais, ben laisse-moi ramasser des munes, s'il te plaît. Y'a Thierry. Pour les entreprises. Oh. Bon, on va prendre cette petite voiture-là, elle est bien tombée. 23 ans. Ah. Bonjour, messieurs. Voilà. 6, ouais, bien sûr. Un peu tout ce qui sort. Hein, Ici, fin de semaine, on va faire... fin de semaine prochaine. On va se faire... Dead Space Remake. Ah, c'est 350. Bah, non, je crois que c'est 300 € les manettes du Valve Index. Ah, mais y'a personne dans le bout. Oh non, moi j'ai toujours adoré GTA 4. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, pas dire le détestent, mais en tout cas qui n'aiment vraiment pas. Oh bah il y a des chances que ça fonctionne mieux, effectivement. Je sais pas combien d'heures j'ai passé sur GTA 4 à jouer avant de partir à l'école. Ah bah justement, je le trouve plus fun que GTA 5, hein. Et de loin. Hein. Steam ou Rockstar, tu peux voir. De quoi? Il est génial le 4. Ouais, sur Steam, ouais. Après, GTA 4, au début, je l'ai fait en version crack. Non, j'y ai pas joué. Après, il était pas supporté non plus par le Valve Index. Enfin, en tout cas, les manettes n'étaient pas bien configurées pour. Ça a peut-être été corrigé. Là aussi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ne vous inquiétez pas si je parle un peu bizarrement et que je crache mes poumons de temps en temps, je suis malade. Oh oui, oui, ça, ça je dis pas, mais il y a même des walkthroughs de l'époque que j'ai fait sur des versions crack. Je me rappelle, j'avais un disque dur, un vieux truc avec un téra de jeux crack. Je les ai tous rachetés sur Steam. Donc je toffe, j'aime bien étoffer mon compte Steam. Ah, Niko, good to see you. You too. How are you, Mr. Gravelli? Good, good. Ça doit faire des années que j'ai plus rien craqué, donc perso ça ne m'intéresse pas plus que ça. Seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Some of them. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and... J'en sais rien, Mais je pense que c'est quand même un peu litigieux d'envoyer des sites de crack comme ça. Et bah souvent à l'époque je faisais mes vidéos, mes walks et tout ça aussi dans cette optique là sur YouTube. Ah, c'était quoi encore les teams de crack à l'époque? Il y avait Reload, enfin Reloaded. Reloaded, en bon français. Black Box. Ouais, ça aussi. Le belge qui envoie les jeux. Kim Jong-gook, he eats at... Yeah, right. Right. He eats at a restaurant called Mr. Fook's Rice Box. Yeah, in Alderney City. Don't worry, I'll take care of it. Je l'avais fait sur Dailymotion celui-là. Je crois que je l'avais fait de l'époque de YouTube. Hein. Ouais non, j'avais commencé. Ou alors c'est toi qui l'avais fait, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais enfin bref. Mais Spec Ops The Line, ouais, je l'avais fait sur une version crack. Et... non. C'était sur YouTube, vu que j'étais passé sur YouTube avec... Dead Space 1. Je vois quoi comme autre jeu? Ben récemment on a fait les Crazy's Remastered, on a fait Prey. Là on va faire Dead Space à partir de demain. Qu'est-ce qu'on a fait aussi récemment? On avait refait une partie sur Cyberpunk. Ouais, je dois faire des liens comme ça, mais je n'en ai pas. Je sais pas si j'ai mis mon Steam dans la description du stream. Non, je l'avais viré. Je crois que j'en remets tant. Ouais non, c'est gentil, tracasse. Bah bon. Sont-ils obligés d'offrir des trucs? Même si ça fait plaisir, mais... Ouais, j'ai vu que t'avais acheté GTA 4 aussi. Je sais pas si Mikey ou Stoka ont de la VR. Ouais bah ouais, y a beaucoup de gens qui font ça. Craque le jeu, vu que maintenant il n'y a plus de démo, donc c'est un peu ta seule option pour voir si le jeu te plaira et s'il en vaut la peine. Ouais bah ouais. Ouais, on dirait un petit peu le chemin du retour quand je suis rentré chez moi. Et qui vient de dire qu'il supporte mal la VR, donc je pense pas que ça l'intéresse. C'est gentil, mais il faut pas se forcer, hein. Mr. Fook's Rice Box, oh putain. Where is Kim? He's upstairs, speaking with the manager. You don't want to see nobody though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost. On tire ça à un gars qui tient une SMG en main, c'est un peu couillu. Ouais, si tu veux. Alors. Je dis ce que je fais ici. Mort, toi. Problème réglé. Ouais. C'est vrai que j'avais pas rajouté la somme de stock là. Ça casse, ça va venir. Ça sera un milieu. On va tenter un truc. Ouais mec, mais lis un peu tes mails aussi. Je dois bien regarder dans les mails en vrai. Malika Balik. Oh. J'ai regardé mes propres mails. Bon. Ça après. Ouais, il y a une échelle. Ouais, tant qu'à faire. Ouf, historique avec ses abonnements niveau 2, je crois qu'il a déjà dépassé depuis un moment, mais pas dans la même catégorie. Et JO qui m'a refilé le cancer. J'ai pris une moto moi en fait. Non, on va pas loin, on changera de véhicule en cours de chemin. Ouais ben ouais. Indiqué sur le Gaming Wiki que les motos en haut FPS sont un peu incontrôlables. Juste un peu. Ouais. En russe. Je me demande combien il faut pour passer ce genre de niveau. Parce qu'il y a des sites de bots en fait qui achètent pour toi les cartes les moins chères pour monter ton niveau. Et je sais pas ce qu'il fait dans la vie parce qu'il est connecté H24. talking about? Speak, you bunkin' piece of shit! I'm done with you, done with everyone! I'll go, but I ain't going quietly! Mr. Pegorino, I don't know what you're talking about. I came as quickly as I could. Fucking Anthony! Salut Noiko. J'ai dû la virer pour lancer une mission où on me demandait d'être en costard-cravate. Regarde ça, ouais. I call him up. He's such a moron, he leaves his cell phone on. So we speak. After he's gone states, of course. I mean... Ouais, c'est un... Comment il s'appelle encore? He freaks out on the phone. And I put the fear out of him. I think maybe I talked him out of it. Un oligarque. He has a goddamn heart attack on the phone. I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived, and now he's in the Leftwood hospital under heavy guard. Okay, okay. Of course, he's got you on the fucking tape, too. Of course. So you'll do this for me. So you want me to talk to him? I want you to whack him. And after that, I want you to kill all the other rats I surround myself with. Okay, okay. Don't worry. Sur le petit SMG, hein. Et quoi elle va servir. Bon, je vois la fenêtre, mais elle est pas chargée. Ok, c'est bon. Et merci à toi donc pour Blade and Sorcery que l'on fera en stream à l'occasion. Je sais qu'il y a pas spécialement d'histoire, même si c'est prévu, si je me trompe pas. Je crois qu'ils cherchent aussi beaucoup de jeux, genre les apps ou les dating sims qui donnent des succès, mais genre 500 succès en faisant un clic, quoi. Et sinon, bah, beaucoup de jeux faciles à compléter. Et sinon, bah, c'est un Achievement Hunter, il a quand même 2-3 jeux un peu plus difficiles, mais je ne sais pas s'il triche. Même si sur certains succès, quand je le vois, il a tous les succès multi dans le jeu, alors qu'il n'y a plus de multi sur le jeu, je me pose quand même des questions parfois. Comme ici en ce moment, j'ai... Allez, au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'ai un bot qui m'ajoute. Et c'est marrant. Je l'ai mis à quelques occasions. Donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais ouais, je l'ai déjà mise. Est-ce que je veux dire ? Ouais, les fameux bots, tu vois, niveau 10, compte de 2 ans et... sur Steam. Comment avec CSGO avec 500 ou 1000 heures de jeu, mais tous les succès débloqués exactement pile à la même heure. Et ils ont 0 stats sur le jeu en vrai. Ouais, c'est ça, le 99%, ça veut dire que bah, dans tous ces jeux, il a fait les succès bah, 99% en moyenne. Wow. Mais ouais, je ne sais pas si utilise des trucs chelous. Je crois que j'avais fait une partie sur Into the Radius. Peut-être le dernier stream que j'ai fait dessus. Je ne joue pas avec des cheaters, il m'a juste ajouté sur Steam. La dernière fois que j'ai joué avec un des contacts de ma liste... ça doit remonter à quelques temps. Je joue pas beaucoup en coop ou quoi que ce soit, et les 3 quarts du temps je suis offline. Bon, ça t'es pas mort, mais mon dieu, pour un mec qui était en phase terminale, il a bien survécu, hein. Une rafale entière. Enfin, chargeur en fait. Bon, ça pas de paye des deux. L'occasion spéciale prévue depuis un moment. Niko, il va être chiant. Super raccourci. Mais ouais, les trois quarts du temps, quand tu vois des gens avec un masse de succès et tout ça, tu... Encore bien garder 2-3 jeux, tu vois, de leur liste quand ils ont à 100% et garder à quel moment, tu vois, si genre ils ont débloqué 15 succès en même temps, ce genre de conneries. Ça, il y en a quelques-uns. En plus, je comprends pas, tu vois, c'est tu fais ça, mais en passant par Sam, donc en fin de compte, t'as pas joué au jeu, t'as aucune preuve de ce que t'as fait. On pourrait même pas expliquer le succès, et les mecs ils ont 15 jeux à 100% et tout le reste ils s'en battent les couilles, mais... Et souvent ils ont un vague ban ou un game ban avec, c'est marrant. Oh, c'est passé Mikey. Ma PD2 à l'époque, j'y ai pas mal joué franchement. C'était juste très chill avec Q-Sauce. Amusant un petit peu, c'était bien amusant, et avec Rem aussi je crois, enfin Solenia. Ouais, c'est étonnant hein ce truc, franchement. Ça, quand tu vois les comptes Steam, tu joues à CS, tu regardes son compte, 100% des succès sur Steam. Ouais, toi dans 3 mois tu sautes. Nouveau film Tron, ah oui. J'arrêtais tôt. Ah. Oh là là. C'est vraiment le gros welcome back. 36% de succès sur PD2. Ouais, ça PD2 justement, en parlant justement des gens qui ont plein de succès débloqués en même temps, je le coûte sur 2 ou 3 jeux. La toute première fois où ça m'est arrivé, je crois que c'était sur The Evil Within. Je lance le jeu et en fait j'avais toujours ma sauvegarde de la partie crack que j'avais fait. Du coup j'ai lancé le jeu et ça m'a popé une dizaine de succès, un truc comme ça. Ouais, ça bah justement, t'as beaucoup de gens qui achètent le jeu et puis pouf d'un coup ils ont tous les succès parce que bah, c'est un jeu avec 700 succès, du coup ça monte ta moyenne méga fit. Et la deuxième fois c'est sur PD2, j'y avais pas joué depuis des années. Et une fois que je le relance, bah je débloque mais la masse de succès. Je crois que ça se voit en plus sur le 3. Il est prévu ou bien c'est juste comme ça? Ça se voit en plus, j'ai un jour, j'ai débloqué 200 succès, j'avais lancé PD2, je me suis retrouvé avec 150 succès qui ont pop d'un coup. C'est... J'ai pas joué depuis des années, je le lance, et là t'as masse de succès de difficulté de jeu en fait. Du coup, une fois que t'avais déjà fait une mission en difficulté max, ben ça te débloque toutes les autres. Qui n'étaient pas présentes avant. Voilà, 229. PD2, 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 PD2. Ah bah il y avait 229 que du Payday 2 en fait, j'ai relancé le jeu, d'un coup j'ai eu 229 succès. Dont les succès d'une famille qui avant n'étaient pas présents je crois. Je les ai débloqués plus tard ça. Je sais plus, enfin bref, il y a des paliers maintenant dans l'une famille qu'avant il n'y avait pas. Ouais, le 3 est prévu, oui, mais Evil Within 3, je veux dire. Ouais. Bah oui. Si, j'aime encore bien de temps en temps de taper sur un jeu et faire des succès quand j'ai vraiment envie de rien faire d'autre. Je mets une vidéo en fond et je commence à faire des succès tranquilles. Et 95 à 100%. 67 de moyenne. J'ai commencé en 2016 à peu près à faire les jeux à 100%. Et j'ai 3 jeux que avant j'avais à 100% mais qui ont reçu des updates, qui ont rajouté des succès. Brotato. M'en manque un. Deathloop où ils ont sorti en DLC et Resident Evil Village où ils ont également sorti en DLC. Donc, techniquement j'étais à 98. Il y a certains jeux aussi les succès, je me demande. C'est ça aussi que parfois tu vois. J'arrive sur un jeu, je me dis mais comment le gars il a 100% des succès quand tu vois la gueule du succès à voir, c'est immonde. C'est putain d'immonde. Ou alors les succès multi. Le mec justement qui est niveau 430 et des poussières, il a fait par exemple tous les succès de Gears of War 5, dont certains sont multi, et je sais pas comment il a fait ça, s'il a été legit pour le faire. Il y a un petit dino qui s'invite également sur mon Steam. J'ai rajouté personne sur Steam, ouais ben je viens de voir ça. Ah, et bien un bon app. Bon, charger sa bibliothèque de jeu, lui ça va prendre une blinde, on va abandonner l'idée. C'est pas abusé? Ouais, ok. Mais bon, quand tu regardes justement dans les gros Achievement Hunter, même sur les sites assez réputés, t'as souvent le top 10 assez... Pas trop legit, hein, mais bon, ben, c'est souvent soit le propriétaire du site ou bien des potes du propriétaire du site, et bizarrement ils ont une masse monumentale de succès. Ou alors justement ils cherchent les petits jeux de merde à 50 centimes ou justement qui te pop 10 milliards de succès. Comme ici par exemple, ben le gars justement niveau 400 et des poussières, bah, dernièrement il s'est fait un gros trip sur les dating sims. C'est juste, bah ouais ok tu fais un jeu, il dure 20 minutes et t'as 3 options différentes à choisir et tu te débloques 10 succès à chacune. Donc bon bah ouais... Merdique, hein, comme vous dites. Ouais, Métro 2033, ça, franchement... Je crois que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour faire les succès de découvrir toutes les putains de pièces, enfin de balles qui traînent et toutes les communications et tout ça. Et quand t'arrives à la fin du jeu, tu te rends compte... Pourquoi le succès, il a pas pop? Ouais, bah oui, c'est ça que j'ai essayé de l'ouvrir, mais j'ai abandonné l'idée. Ah, elle passe trop bien la MP5. Yeah. Ouais, je peux juste pas le tuer en fait. Ah, il me tire dessus à travers le mur en fait. Bien. Parti où l'autre quoi? Ah, il est tombé. Merde. Mais il est pas censé tomber. C'est un peu embêtant. Ouais. Alors ouais, aussi dans les succès, il y en a... J'ai 12 jeux à 90%. High Divine Cybermancy, où il me manque un succès. Un succès coop, mais il n'y a personne en coop. Faudra juste que j'aille sur un forum un jour pour bah, les discussions de Steam pour recruter quelqu'un pour le faire. Dead Island, où il me manque un succès. On consiste juste à avoir 4 joueurs différents avec un personnage différent et faire 3 missions. Viscera Cleanup Detail, encore un truc en coop, mais il faut avoir quelqu'un qui a le DLC, donc à nouveau recruter un mec random sur internet. Bone Lab, où un des succès consistait à prendre un objet en début de partie et le traîner tout au long de la partie. Sauf que, sur une sauvegarde où tu as déjà terminé le jeu, tu ne peux pas le refaire. Mais bon, ils ont corrigé ça dans un patch il y a un mois, faudra juste que je le refasse. Bulletstorm, où il faut aussi faire de la coop, il me reste 3 succès, il y en a un, c'est juste du grind et j'avais laissé tomber, mais c'est... en coop c'est vite fait. Just Cause 2, où il me reste juste les succès de difficulté et conduire chacun des 104 véhicules du jeu. Gros truc random qui va te prendre genre 10 heures pour faire le tour de la map et trouver chacun des véhicules différents et monter dedans une fois. Medal of Honor Above and Beyond, qui consiste juste à ramasser plus d'une centaine d'objets au cours du jeu, donc la flemme. Deathloop avec 4 succès pour le DLC. Postal 2, où c'est les succès de speedrun, et 2-3 autres succès juste chiants à faire en fait. Red Faction Armageddon, encore il faut de la coop, et Dusk, où ce sera... C'est quoi encore ? Celui-là j'ai avancé dedans récemment en plus. Utiliser les cheats du jeu, c'est les trucs compris dans le jeu, et avoir 100% de complétion sur chacun des niveaux. Ça c'est un peu relou quoi. Ouais, Bulletstorm il est vachement fun. C'est la dernière fois que j'y avais joué en stream, je me suis dit oh bah je vais nettoyer un peu les succès, mais voilà, il en reste genre 3 et c'est de la coop. Non, c'est marrant parce que j'en ai 29 à 80 à 90%, 29 de 70 à 80%, 29 de 60 à 70% et 28 de 50 à 60. Ça reste consistant. Ah bah si jamais tu cherches quelqu'un pour faire les succès coop, tu sais qui appeler. Witcher 3 que j'ai à 70 sur 78. Refaire l'entièreté du jeu en difficulté max pour avoir un succès. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la méga flemme. Mafia 3 aussi, Fallout 76, Sniper Elite, bordel de merde. Enfin, Sniper Elite V2 ici, les succès, c'est à nouveau c'est de la coop, ce qui me manque. Et un autre succès, à nouveau débile, qu'ils ont mis dans les 3 jeux, enfin les 4, 5. Retenir votre respiration. Ici dans le 2, ils sont gentils. Une demi-heure de retenir sa respiration. À coup de 10 secondes à chaque fois. Hein. Donc, tu vas passer 10 heures à faire un succès, quoi. Et dans les suivants, c'est 1 heure. Bref. Sinon, un succès coop, 2 succès coop, 3 succès coop. Et 4 succès coop, ouais ben voilà, il manque juste que des succès coop débiles, mais bon bah ben voilà, il faut trouver quelqu'un qui a vraiment envie de juste faire les succès. C'est ok, tu lances le jeu, tu regardes vraiment tout ce que tu dois faire et tu fais que ça et tu désinstalles le jeu parce que t'en as plein le cul. Fallout 4 où j'avais pas fait les DLC, enfin les succès des DLC, Bunker Punks, c'est des succès basés sur des trucs complètement aléatoires. Dungeon of Dreadmore qui est un jeu très sympa d'ailleurs. Par contre, à nouveau, c'est du méga grind. Donc, Killing Room, Nero serait très fier de moi. Shadow of Mordor, Middle Earth Shadow of Mordor. Là aussi, je crois que c'était du grind ou c'était casse-couille et j'avais plus envie. Donc, Resident Evil Village. Murdered Soul Suspect, est-ce que Mr. X a là? Je l'ai à 87%. Faudrait que je refasse l'entièreté du jeu en cherchant spécifiquement toutes les petites merdes à ramasser à terre. Rage aussi, qui consiste à avoir des succès multijoueurs, sauf que bah, le fait est qu'il n'y a plus personne en multijoueur. Sniper Elite VR, là ce sera juste ramasser des merdes à terre, il y a à nouveau la flemme, Wasted, là, il faudrait que j'en refasse une partie à partir de zéro et... Il y en a une c'est mourir par une bestiole, mais là où j'en suis dans ma sauvegarde je ne peux plus mourir par cette bestiole. Et des choix de path en fait dans des discussions. Metal Gear Phantom Pain, des trucs avec les Moab. Arizona Sunshine, où là c'est des trucs à nouveau assez hardcore en coop. Zombie You, qui est aussi un truc chiant que j'ai pas envie de faire parce que c'est refaire le jeu à nouveau. Pardon. Ouais, longtemps que j'ai oublié. Killing Floor 2, là je crois qu'il manque que les succès multijoueurs et faire toutes les maps en Hell on Earth. Et... Alien Isolation. Là aussi, probablement des succès de difficulté, ramasser tous les datapads et toutes ces conneries là. Sniper Elite 3. CSGO, j'en ai quand même 82%. Remnant from the Ashes, là aussi, il y a avec le truc. Ouais, ça c'est chiant hein, quand. Mourez par l'explosion d'un machin qui a été déclenché par un bidule. Bro, pour ton succès c'est de mourir dans le jeu, c'est de la merde. Bref, Remnant from the Ashes, là aussi c'est succès coop. Dome Keeper, là c'est juste du grind. Callisto Protocol. Ah, il y en a plus, tiens d'ailleurs. Ils en ont rajouté. Ouais, bah voilà, c'est le New Game Plus. Voilà, c'est tout. Parce que le patch qui est sorti aujourd'hui, c'est New Game Plus. Mais ouais, mais c'est. Pour CSGO, ouais, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais bon, bah. Pff, la flemme à nouveau. Faire une centaine de manches sur contre des bots sur des maps téléchargées sur le store parce qu'elles sont plus dans le pool utilisable. Genre sauver 500 otages, hein, je veux dire c'est tu vas lancer une partie contre des bots, tu vas sauver 500 otages quoi, c'est tu vas prendre 10 heures pour faire ça et c'est casse-couille quoi. Jouer 5000 matchs en gun game. Gagner 1000 matchs en gun game, c'est bon, ben ça va quoi. Ou démolition, ah bah ouais. Ouais, super, faire ça 5000 fois, t'imagines le truc? Merde, hein. 500, pardon. Voilà, gagner 100 parties sur Aztec. Ben ça d'ailleurs, vu que j'avais le jeu avant que Aztec soit supprimé du pool, j'ai quand même 21. Ah oui, le premier Dust aussi, enfin bref. Enter the Gungeon, ça je m'étais bien cramé à avancer dedans et maintenant que j'y ai plus joué depuis un moment, ça va être une galère à refaire. Heathen the Sons of Law, ben ça c'est un jeu qui a été abandonné donc il est impossible à avoir à 100% façon legit. C'est un peu dommage. Dead Effect 2 où ils ont ressorti des succès avec des DLC et Insurgency Sandstorm où là ce sera de la luck. Et After the Fall, alors sont organisés avec des potes. Et After the Fall, jeu VR où là à nouveau il faut jouer en coop et la flemme et de toute façon il n'y a personne dessus. L'autre ça fait les DLC, juste un peu la mort, les succès où tu dois build des trucs parce que tu dois rester à côté de la machine sinon on va avoir pété. Ouais bah. Et justement je vais. Hop. Oh monsieur s'est téléporté. Bon par contre les ennemis là qui me tirent dessus à travers les murs, c'est pas que c'est chiant, mais c'est un peu chiant quoi. Mais c'est quoi le plan maintenant? PNJ il est bugué. Ouais putain attends ça j'ai... Un de mes jeux, dans le jeu que j'ai avec le plus bas taux de succès, c'est un jeu qu'on m'avait offert de gestion, enfin RTS mais je joue jamais à ces jeux là. J'avais lancé pour faire 2-3 games avec le gars qui me l'avait offert et au final ben, on n'y a plus joué. Et... il y en a. Voilà donc c'est Company of Heroes 2 et il y a des succès. Donc je retombe dessus, j'avais fait le tour et j'étais tombé sur des trucs, je me suis dit mais putain ils ont pété leur slip ces enculés. On va regarder les plus bas. Bref, il y en a un, c'est genre gagner 1000 parties. C'est quoi la durée moyenne d'une partie? Ouais, bah on peut revoir un jour ou l'autre. Completion playtime average 600 hours. Je vais crever. Allez, on reprend une clope, ça va tapisser l'œsophage pour empêcher les méchants germes de passer dans mon organisme. Un jeu bidon, tu dois terminer, c'était quoi? J'ai débloqué le succès 500 games de Gun Race. 9 minutes avant celui à 1000. Ok, un truc rapide, ok. Ah oui, la clope et le café, t'as vu? Si c'est du thé, que je n'ai plus d'ailleurs. Mais bon, voilà. Il y a des jeux comme ça, de temps en temps, je les garde installés, je sais que je les ferai à 100% un jour, et d'autres, je les garde installés, je sais que je les ferai jamais à 100%. Parce qu'ils sont juste chiants. C'est peut-être bugué aussi. Ou alors, le jeu a eu pitié. Non, il y a... Apparemment, c'est en démolition. En partie de démolition ou en gun game, mais le fait est que en démo j'ai pas de partie, donc c'est vraiment les games random, tu vois, bien pourri où t'as 50 gamins, c'est du 10v10 ou je sais pas quoi. Ouais, ben c'est une bonne moyenne, hein, j'ai envie de dire. Ou alors t'as cheat. Mais c'est la voix d'un des gars de Max Payne 2, ça. Bon. Yes, my friend. Why shoot anything else when you can shoot head and kill in one bullet? Nous voilà très bien, hein, je... Ouais. Est-ce que je peux le pousser? Oui, oh, oui, oui, oui. On peut, on dirait. Ne tombe pas. Oh là là. Comment je peux te faire confiance maintenant que je sais que t'es un tricheur? En plus les mecs aussi, tu vois, qui utilisent des achievement unlockers mais qui sont cramés à 2000%. Parce qu'ils débloquent genre 5 succès qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, pile en même temps. Et ils sont tout fiers et ils l'affichent sur leur profil. Genre bro, t'as cheat ton truc. Je dois battre l'hélico, j'ai buté le gars. Bon, oui. Complètement buggé cette mission. Ouais. C'est la street cred. La Steam cred. T'as vu? avoir un gros niveau Steam, avoir plein de succès. Ouais, c'est ouais, comme tu veux. Fait grandir l'hypénis. Hein. Je veux dire, il ne devait pas y avoir une échelle ici. Vas-y Nico, tu peux le faire. On peut descendre par là. Hop. Bip, 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 bip. Ah ouais. Allez, allô, je m'étais bien cramé pour les faire avec la MCC. Ouais, ouais, ben super commentary. Hein. Bon, c'est espérer que tu sois mort. On se fait un truc. Ok. Waouh, 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 en une heure, t'es sûr? D'ailleurs, je t'avais dit que sur CS, on avait sûrement déjà fait des games justement où je parlais du fait d'avoir une impression de latence par rapport aux ennemis. En fait, c'est parce que je passais par en routeur. J'avais un truc Netgear pour passer internet en fait sur mon PC principal et sur le secondaire. C'est que ce serait plus simple comme ça, mais en fait non, ça me mettait de la latence sur les jeux multi. C'était assez flagrant du coup bah, sur les FPS hein, évidemment. Bizarrement c'était beaucoup plus agréable de jouer après. Si ça aurait aussi en effet sur Halo, parce que quand on le faisait en coop, bah, vu que j'étais pas host, bah, j'avais aussi de temps en temps il se passait des trucs un peu chelous au niveau de la latence. Mais bon. Ouais, je vois que t'es vachement chaud pour qu'on se fasse en lasso sur Halo 2. J'ai fait quelques missions du 2 je crois en légendaire. Et ben bordel de merde. Je n'ose pas imaginer en lasso. Ou en plus je crois que c'est le seul lasso où quand tu meurs tu dois recommencer la mission entière. Mais même quand t'es en coop, il y a un des deux ou un des quatre qui meurt, c'est bon, tu dois recommencer l'entièreté de la mission. Genre... non. Et même en légendaire en fait. Oui on a fait Rich. En légendaire... ils ont augmenté la difficulté par rapport à la Xbox. Que je regardais des vidéos de technique, tu vois, pour avoir les... sur Rich justement, où je crois que... Je crois qu'il n'y a que Reach où tu dois faire les succès de terminer la mission plus vite et tout ça en difficulté légendaire. Et quand tu regardes sur console, le gars il passe au milieu des ennemis, aucun problème. Tu le fais sur PC, tu te fais instant éclater la gueule. En prenant exactement le même chemin et avec un ennemi en moins limite, tu te fais mais instant fumer. Non ouais, faire les succès légendaires, les succès de score, les succès de timer et tout ça, ça doit être plus facile en coop. Pourquoi est-ce qu'il y a deux connards qui m'appellent en même temps pour faire un truc là? Je dois en envoyer un chier et du coup il est pas content. Après Roman, c'est pas important, on va dire. Ouais, ben à l'occasion, ouais, je serais aussi bien chaud de le faire. Genre les succès sur, bah, surtout les grands légendaires, faire les timers et tout ça. Alors déjà plus amusant en coop. Bon, les lassos, ça je suis un peu moins sûr. Là avec mes pompes l'autre. Je crois que j'en ai fait près de 500 sur 700. Bon, celle-là il faut faire le péage sinon elle pète un plomb. Bah, c'était une période où j'avais des méga insomnies et franchement j'étais mais j'étais vraiment super mal et je me levais le matin, j'étais déjà claqué, je me disais bon ok on va faire des succès sur Halo. Du coup ouais, j'en ai fait quelques-uns. Surtout les conneries débiles. Et bordel sur... Est-ce que c'est sur Reach? Ouais sur Reach on n'avait pas pu terminer également le succès pour avoir le Pélican je crois. Mais sinon il y a... Non c'est sur le 2 ça... Je crois que c'est sur le... Non, pas le 2 aussi. Il y en a un où tu dois jouer en fait sur une zone de chargement de la map pour monter dans un Banshee. Tu dois ramener un Banshee dans un tunnel. Tu dois ramener un Banshee dans un tunnel. Tout du long, et c'est une galère immonde. Pour le hijack, pile quand il rentre dans un tout petit trou, tu dois péter les ailes pour le passer dedans. Et... Et comme ça tu peux atteindre un scarabion, je crois. Et un ballon de foot. Je crois que c'était les deux dans le même truc. En fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi complètement pourri? Il y en a un où tu dois faire spawn, je crois que c'est dans le 3. Tu dois faire spawn en fait un véhicule ennemi, tu dois buter tes alliés histoire qu'ils montent pas dedans ou qu'ils le détruisent pas. Tu dois avancer, le laisser là où il est, avancer dans la mission, faire spawn des Banshees en hijack 1, revenir avec dans la zone où t'étais plus tôt, où t'as laissé le véhicule terrestre. Comme ça en fait ça a déchargé une partie des zones où tu meurs en véhicule. Tu montes dans le véhicule terrestre, tu descends sous l'eau, tu sautes d'une colline en fait, t'espères que ton vaisseau explose pas, tu tombes de la colline, t'es sous l'eau, et tu dois sortir de la map, mais complètement sortir de la map, faire 1 km, monter une putain de montagne pour aller chercher une putain de poupée sur une connerie. Mais genre, les devs, mais pourquoi vous faites des trucs pareils? Bordel! Ouais, j'imagine bien, ouais. Et puis bon également certains succès buggés, du coup je les faisais et puis... Ouais, bah le timer il dit autant, j'ai moins que autant, donc pourquoi est-ce que je le débloque pas? S'il vous plaît. Passer une demi-heure à faire ça, pourquoi tant de haine? Ouais, vu comme il était vénère, on va peut-être pas tenter d'autre chose. Mais ouais, refaire les parties genre pour avoir les succès de score et légendaires, ça peut se faire facile je pense. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être malade mais j'ai mal aux deux maintenant. Oui. Pour autant qu'il soit fixe. Il y en a un qui consistait à faire tous les terminaux de Halo 3. Le dernier, enfin non c'était même pas le dernier, je crois que c'était de la mission 6 ou un truc comme ça, enfin bref. C'est jamais débloqué. J'avais tous ceux du jeu, enfin de tous les autres jeux, sauf celui-là. Et je l'ai refait récemment, il a pop tout seul. Enfin, il a fonctionné je veux dire. bah moi il est toujours installé. Hein. Pas sûr d'être chaud d'y jouer ce week-end, mais ah ouais. Problème qui arrive vu que tu les connais tous par cœur. Niko, our friend here, is telling us Enchiladas are in league with the Russians. Enchiladas? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible! Ouais, je me rappelle sur Reach où t'avais des, enfin, tu connaissais des skips et tout ça. Ouais bah ça nous a mis bien hein, parce que putain il y a certains moments. The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. En l'assaut, tu coupes un combat, c'est bon, t'as passé une heure, enfin t'as gagné une heure quoi. Le Master Chief, ouais. N'importe quel grunt qui vient, qui te fait une claque, t'es mort. Je peux plus monter dedans. Triste. Oh. Parfois c'est risqué de faire ça, ils accélèrent comme des cons, ils roulent dessus. Ok, ben bon préparage de bouffe et bon appât. Ah. Et la musique. Entendu en boucle une cinquantaine de fois au cours du let's play. Ok. Ah oui c'est vrai, j'essaie de me rappeler la disposition de ton appart, je me disais mais c'est pas ta maison. Mais en fait t'as changé. J'ai niqué une roue quoi. Calculé. Ouais ça c'est nice. Ok. Des tricks. Involontairement. La GTA San Andreas Online. Faire du rail grinding. MTC. Pizza surgelée incoming. Boubou les frites. Oh, le truc chiant c'est que je me dis je me ferais bien de temps en temps une petite friterie ou un truc dans le genre et me choper une mitraillette, sauf que ça ferme avant que je revienne du taf quand je suis en après-midi. Et quand je suis au matin, ben c'est un peu tard pour aller chercher à bouffer à l'extérieur. Ah, quoique peut-être 18h. Après ça me bloque pour faire les streams. J'ai qu'à arrêter de stream en fait. Ok, ok. Ah, il y a même des snipers. Normalement ça se voit pas sur le stream, c'est bon. Ah ouais quand même. Sympa un grand truc ouvert comme ça. Parce que là t'as tout... à disposition dans la même pièce, c'est cool. Bon. C'est explosé ce truc là. C'est vrai que je vois pour le patch qui enlève la latence entre le moment où tu cliques et ça tire avec les fusils d'assaut. C'est chiant. Une étoile pour ça. Ouais. Et écoute, tant que t'as un PC avec un bureau avec un PC plutôt, c'est bon hein, pas besoin de plus. Peut-être un four, faire à manger de temps en temps. Ouais. Bon, ça va être embêtant. Oui. Mais genre. Vite le Hummer. Oh, c'est 4 étoiles. Merde. Vous pouvez arrêter de spawn des bagnoles de flics juste devant moi. Ce serait fort appréciable. Oh, si je lance la mission, est-ce que ça va virer les étoiles? Certaines ça marche, d'autres pas. On croise les doigts. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? Regardez. Après, il devra traduire des milliers de lignes de texte sans avoir le contexte. Je crois que ça doit pas être très évident tous les jours. La cœur du temps, je les regarde pas, donc profite des cinématiques pour regarder le chat ou faire une connerie ou l'autre. Oh. Ça, les histoires de traducteurs qui ont aucun contexte pour ce qu'ils sont en train de traduire. Niko, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off the Applewhite. Ok, je vois la mission. J'ai cru que ça faisait partie d'une mission d'assassinat. What am I meant to do with them? Who knows? Anyway. The convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Ouais, ben ça fait partie des succès du jeu, tu vois. Et ça aussi, tu vois, c'est... Ils ont appelé ça rat-volant. J'ai déjà entendu ce terme qui venait des États-Unis, mais bon, bah, ça reste un putain de pigeon, quoi. Et dans les succès, ils appellent ça un paquet. Dans le jeu, ils appellent ça un rat-volant, alors que c'est un pigeon, et que c'est une expression américaine. Et en français, ils ont appelé ça un paquet. Dans les succès. Donc c'est le même truc, trois noms différents. Voilà, c'est dans ce tunnel là. Saut héroïque. All right, I've got the truck. When we have them blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great. Ah oui, je me rappelle. Cop shop now should be at the booth tunnel soon. Oh, une ambulance. Bon, c'est peut-être pas ce dont je me rappelle. Il semblait qu'ils arrivaient ici à la sortie et il fallait roqueter. Remonte dans le camion, mais ta mère. I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. Ouais, les autres de rien. Bonjour Mitch. Un peu de malade aujourd'hui. Je peux pas le faire, c'est toi qui es dans son dos là, putain. Boulet. Ouais, j'ai une parfaite, un parfait angle de tir dans son dos. Tue-le. Niko. We need him to think Aiden is free as a fucking bird. All right. I'll try to lose this fucking cup. I am speed. Oh, l'autre qui vient dans la rue, qui va me repérer. Ouh, même pas, ok. Nice. Bruce. The cops will be looking for it. Les portes ont l'air un peu défoncées. Ouais, elles flottent. Some transport. Get in that vehicle, prisoner. We've got rid of the unwanted attention. Now it's time for business. Get us to the cliffs in Leftwood. The cliffs of Leftwood, then. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right! Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit! I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Voilà l'ascenseur émotionnel. Ouais, on va, ouais, on te libère, ouais. Tracasse. I don't see any boat. Out you come, old boy. The sea air. I really am free. I cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time. Who asked you to do this? Derek McCreary. He's my brother. But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with. The spineless. So you thought you'd talk about it. He's my brother. And guys like you are killing it. Niko, get rid of dear old Aiden. On va le faire autrement. Hop, tour de magie. Il a disparu. Mais regardez pas en dessous. Il est pas là. Pas vrai. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Niko. Thanks. Maybe a clean break is in order. A fresh beginning. Good luck to you. Allez, on nous laisse au milieu de nulle part. L'autre il s'est barré, il a même pas attendu de voir si on faisait le taf. Je me demande s'il y a moyen de l'épargner. La flemme d'attendre. BBNJ. Ooh. Ça va les bagnoles de flics là? Passe quoi? Bah quoi, elles sont toutes surélevées avec des amortisseurs de bic, hein, qu'est-ce que... Enfin des ressorts de bic comme amortisseurs. C'est quoi le problème? Et elles ont toutes des pneus slick nettoyés au savon. Parcours. Okay, I'll see you later. Yeah, okay. Take care now. I'll see you later. Niko. Hey. It's not what it looks like. It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No! I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. Up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting on. It's just been sitting there? Yeah, call it a cooling off period. We took it, but we don't know who was watching it beforehand. So you just left it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear real easy if the feds show. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down easy without any trouble. That's what keeps me alive and out of the pen. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay? Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. sure to have the feds on us. Wow. There you are. Frankie, you've been keeping your eyes open out here? You seen anyone snooping around? I ain't seen a soul, boss. It's a ghost house. Loaded into 2 cars for you. I don't know, this don't feel right. Shit, Frankie, you dumb fuck! The feds have been watching us all along. Niko, get in that car and follow me. Il a pris sa petite rafale. Mais il est vachement résistant celui-là, dis donc. Serait-il éventuellement scripté ? Ok, bonne app, et à plus tard. Ok. Je passe mon temps à tirer dans ces pneus. Ah oui, il est passé à travers l'arbre. They're all over us. We're ditching the cars and going on foot. Park up behind me when I stop. All right. shit! I ain't made for this sort of stress. Can we lose the heat already? Ouais, on a choisi la bonne voiture hein, pour ça. Putain, il y en a un qui arrive dans l'autre sens. Évidemment. Mais bordel. Ils nous ont mis cette poubelle aussi pour s'échapper. Il pourrait, ne serait-ce que 2 putains de secondes, arrêter de spawn 15 bagnoles de flics exactement là où je vais. It's harder every time. Niko, you done good for me. There's been some fucked up shit going on, but you've been keeping cool. You're a good earner. I got respect for you. Hey, let's see if we get back before you start talking like this, shall we? This ain't over until we got the H in a safe place. You're damn right. Nice driving, Niko. We're gonna be able to shift this H for a lot of money. Might just keep the Beccarino family's head above water. See you around. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère un peu plus en forme demain. Mais là, c'est la mourance. No, man. Yeah. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought... Son of a bitch! Son of a bitch? What the fuck? Yo, on a vu mieux. Combien de temps de jeu on a eu? Ah ouais, quand même. Le métro. T'arrives pile quand j'allais couper le stream. J'ai la crève et... j'en peux plus. Donc voilà. Ah ouais, gros timing. Je vais te faire une save là. Et là on reste là pour aujourd'hui. Bref. Bah là-dessus, peut-être quand même une bonne soirée, une bonne nuit et à une prochaine. Si je suis pas trop éclaté, demain on se fera du... Dead Space. Allez, bonne soirée, bonne nuit et à plus.